Yo tout le monde, c'est Minatoux, je vous salue abonnés de la Côte Quartier Général et mes abonnés à moi bien sûr. Je vous embrasse tous. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire ce petit commentary pour lancer un petit peu ma chaîne et pour prouver que même les attardés peuvent passer sur Code QG. Alors tout d'abord, je me suis dit, pour passer sur Code QG, il faut un bon gameplay, un bon gameplay. J'ai commencé à chercher dans mes archives et tout, et j'ai trouvé dans mon fichier Dieu Minatoux un gameplay que j'avais fait il y a très longtemps sur Modern Warfare 2. Alors, excusez-moi. Alors, ce gameplay, il envoie vraiment du pâté. Alors, bien sûr, je me prends pas réellement pour un dieu, hein, c'est de l'humour, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'on a fait déjà beaucoup mieux que ce gameplay, mais vaut mieux que je vous montre un de mes meilleurs, une de mes meilleures games, plutôt que de faire un vieux commentary en mode goré qui joue à la type sur Modern 3. Et aussi, vous me direz, justement, puisque je parle de Modern 3 et Modern 2, pourquoi Call of Duty 6, donc Modern Warfare 2? Parce que ouais, des gros scores on peut en faire sur Modern 3, même s'ils sont moins bons, c'est mieux, etc. Mais je trouve que en ce moment, il y a énormément de vidéos sur Modern Warfare 3 sur YouTube. Et que bon, c'est mieux, enfin, c'est pas mieux, mais autant changer d'air un petit peu de temps en temps et faire un petit peu, je sais pas, quelque chose, pas de nouveau, mais de moins redondant, de moins. Enfin, quelque chose qu'on voit moins souvent, puisque, effectivement, comme je viens de dire, des vidéos sur Modern Warfare 3, on en voit énormément, et même si la plupart sont très bonnes, c'est. Bon, voir tout le temps Call of 8, c'est un peu dérangeant. Alors voilà, alors maintenant je vais parler du gameplay, hein. Là je lance mon missile Predator et triple élimination, ça me permet de débloquer mon bombardement de harrier. Je vois qu'il reste des rescapés à l'intérieur, alors je me dis tu vas quand même les buter sinon t'es mal. Et je vois que quelqu'un d'ailleurs avait débloqué le harrier avant moi, et je me suis dit mais ce mec il est tellement rapide, il va mettre la mine, mais comme c'est pas possible. Et donc je me dis bon c'est pas grave, tu vas balancer ton harrier n'importe où parce que maintenant c'est la mode, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai envoyé à un endroit totalement inutile. Enfin bon c'est pas grave. Et là je vois que les ennemis capturent C, je me dis oh non! On est en train de. On a juste B et eux ils ont C et A, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous spawn kill mais comme des porcs quoi, c'est vraiment un truc de fou. Et donc je me dis bon là tu vas vite te rebeller, je débloque mon mitrailleur d'hélicoptère mais bon c'est pas fini, je vais quand même aller tuer un petit peu les gens qui sont assis, qui sont en train d'essayer de nous avoir. Alors le gars on dirait, je sais pas s'il savait que j'étais là ou quoi, mais on dirait qu'il aimait bien jouer avec moi. Donc je tourne un petit peu autour là pour voir et je rentre et là grosse erreur hein, ça fait une demi-heure que j'aurais dû recharger, j'ai rien fait et pff, je me fais tuer bêtement. En plus par un ami qui avait rejoint la partie et qui se fait tuer juste après par mon harrier. J'ai vraiment eu les boules, enfin bon c'est pas grave, je balance mon mitrailleur d'hélicoptère et c'est parti pour un petit carnage. Vous allez voir ça, ça va vraiment être assez impressionnant, enfin impressionnant, je ne doute pas que vous ayez déjà vu ça avant, mais ça envoie quand même du pâté ce truc. Donc vous allez voir, là je cherche un petit peu les ennemis, même si finalement je finis par les trouver. Et au passage, je vais me permettre une petite minute de pub, hein. Je me permets de faire ma pub comme une prostipute, en me présentant et en disant ce que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Alors je fais des commentaries sur tous les Call of Duty en général, hein. Oui, quelle originalité. Mais je me suis lancé récemment dans une série sur Skyrim, donc la suite d'Oblivion, enfin pas la suite directe, mais voilà. Et je suis aussi un adepte du killfeed, par conséquent vous pourrez trouver de temps en temps des montages, des one clip edits ou encore des trailers sur ma chaîne. J'accepte pour l'instant les demandes d'amis sur Xbox, j'ai aussi la PS3 mais malheureusement j'y joue très peu vu que j'ai aucun Call of Duty dessus. Oui, ça fait le Call of Duty fagot, c'est pas grave. Enfin bon, sur PS3 j'accepte les requêtes mais uniquement quand j'y vais, donc ça sera très très rarement. Donc je repasse au gameplay maintenant pour vous dire quel keystreak j'ai, mais surtout pourquoi, puisque je pense que vous avez vu un petit peu quel keystreak j'utilise. Donc là on réapparaît toujours tous à B, hein, puisque ils ont C et A, donc je vois qu'il y a un allié qui est en train de capturer C, je me dis je vais plutôt le défendre plutôt que d'aller sur la position avec lui, ce qui sert un petit peu à rien. Et j'avance comme ça, je fais du 43 à 1, je viens de voir le score que vous verrez sûrement pas avec l'écran tout petit, vu que moi j'ai mis en plein écran qualité HD et tout, like a boss. Et voilà, aussi j'aimerais dire que, enfin j'aimerais dire, ouais, vous voyez les gens dans la partie qui jouent
comme des fous au lance-grenade. C'est ça, j'ai vraiment eu peur à un moment, à n'importe quel moment là, vous voyez un lance-grenade qui vient de tomber. Je me dis, mais tu vas te faire démonter au lance-grenade. Et j'ai eu énormément de chance, je sais pas si c'était des bugs ou alors que les lance-grenades étaient assez bien placés pour pas me tuer. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai échappé de peu à la mort face à ces noob tubes. Donc, vous allez voir hein, plusieurs fois dans le gameplay des lance-grenades tomber à mes pieds et tout, des trucs de ouf! Enfin bon, j'ai eu chaud à la testiboule quoi, parce que franchement, c'était assez hardcore. Donc là, je dois être à 40 ou même peut-être 50 à 1, ce qui fait un ratio de 50 pour ceux qui savent compter. C'est quand même assez impressionnant. Moi, j'étais très content pendant la partie. Et j'étais même dans le groupe d'amis de la personne, de mon ami là, qui venait de rejoindre la partie. Et je lui disais, tu me retues encore une fois. Mais t'inquiète pas, toi, je vais pas te rater et tout. Et puis, au final, bon, ça a terminé en baston général. Enfin bon, vous allez bien voir ce qui va se passer dans le reste du gameplay. Donc voilà, 45 à 1 pour 8 assistances. 8 assistances, ce qui est quand même énorme. Enfin bon, j'ai jeté beaucoup de grenades flash, etc. Ce que je peux me permettre d'ailleurs, puisque j'ai pillard. Pillard, tout simplement parce que comme ça, comme je vous l'ai dit, je peux ramasser beaucoup de munitions de javelin notamment pour faire beaucoup d'élimination, même si comme un clochard j'ai rien fait au javelin. Et aussi bon pour ramasser des munitions de M4 et surtout pour les grenades ce qui est très utile en domination quand vous jetez une grenade sur une position, ce qui peut parfois amener à faire un multi-kill. Donc c'est vraiment très très utile. Et donc vous voyez en fait j'ai pas beaucoup joué la position, non seulement parce que j'avais pas envie, ce qui est très égoïste hein, oui c'est vrai, mais bon voilà. Et aussi parce que quand on est sur une position, les ennemis savent où on est du coup. Et c'est assez dérangeant, et surtout qu'on était en train de mener, alors j'allais pas bêtement aller capturer alors qu'on menait. Et voilà, je voulais faire durer la partie puisque là je dois faire du 50 à 1, ouais je crois bien que je fais du 50 à 1, voilà. Et donc j'allais pas me mettre à capturer pour raccourcir la partie, ça n'a aucun intérêt. Alors je balance Moirier cette fois-ci, mais bon, il fait encore aucun kill je crois bien. Ce qui m'a vraiment déçu, et donc je me mets à mon endroit fétiche là, le petit endroit pour connard pour camper là. Et donc là j'ai vraiment eu chaud, là j'aurais pu me dire non tu passes c'est bon il n'y a plus personne. J'ai bien fait de flasher parce que j'aurais pas vu la clé mort sinon, et qui a failli me tuer d'ailleurs. Donc vous voyez que j'ai vraiment eu énormément de chance. Et d'ailleurs je vais parler à mes abonnés particulièrement hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos Skyrim. Je tiens à vous remercier déjà pour le soutien que vous m'avez apporté puisque... Vous m'avez énormément soutenu sur le nombre de vues que j'ai eu en 2 jours, je crois bien, ou des trucs comme ça. Et ça m'a vraiment impressionné, j'étais très content d'avoir eu autant de feedback aussi bon pour ces vidéos-là. Et surtout qu'au début, je pensais avoir fait une erreur en mettant ces vidéos, je me suis dit, bah, ça va intéresser personne. Et puis pas du tout, donc merci beaucoup à tous mes abonnés. Alors là, je viens de mettre mon second mitrailleur d'hélicoptère, je suis à 54 à 2, ce qui fait un ratio de 27... Ouais, un ratio de 27. Enfin bon, ça fait un peu du ratio, moi je dis. Je joue pas pour le ratio. Hein. Puis après, on pourrait se demander aussi pourquoi je joue pas à la bombe nucléaire. Puisque si c'est pour faire des parties comme ça, autant mettre des bombes nucléaires. Et ben, moi justement, je joue pas à la bombe nucléaire. Puisque je pense qu'une fois qu'on a fait quelques bombes nucléaires, ça sert plus à grand chose de mettre des nukes comme ça. On s'est prouvé qu'on était capable de le faire, et puis bon voilà, une fois qu'on se l'est prouvé, qu'on l'a prouvé à ses potes ou quoi, et moi je pense que c'est même plus la peine d'en faire, à part pour s'amuser ou pour se faire plaisir. Mais bon, voilà, moi je trouve pas ça très très utile maintenant que j'en ai fait quelques-unes, contrairement à Modern 3 où l'intérêt est revenu un petit peu, puisque c'est, je dirais, 10 fois plus dur d'en faire sur Modern 3, contrairement à Call of 6 où ça vient presque tout seul, j'ai envie de dire. Et donc là vous voyez que je fais un réel massacre, mais pas autant qu'au premier mitrailleur d'hélicoptère. Alors bon, vraiment, je me mets à la place des ennemis et je me suis dit, faites qu'il n'y ait pas l'autre qui fasse interface. Et là je ressors de mon mitrailleur d'hélico du 69 à 2. Et là par contre je m'excuse parce que le gameplay touche presque à sa fin, et pendant la minute qui va suivre,
même la minute 30, j'ai envie de dire, je vais faire mon gros berbère du désert à rester dans le fond de la map, histoire de pas mourir. Et j'attends donc avec mes 69 éliminations pour 2 morts, ce qui revient à un ratio de presque 35. Alors bon, je vous l'avais dit, chose promise, chose due, c'est vraiment un gameplay qui crache du gras. Là on est en train de les dominer, enfin presque de les dominer. Et vous voyez qu'on est en train de gagner, donc je me fais aucun souci. Je reste dans le fond de la map comme un dingue, genre à la mode Ben Laden. Je me mets dans ma grotte là comme ça, histoire de passer comme ça, de voir ce qui se passe dans la map. Alors ouais, vous allez me dire c'est pas cool de camper entre guillemets, mais bon, tant que je tue personne en campant, et là je tue quelqu'un, tant que je tue personne en campant, c'est pas extrêmement grave. Et là j'ai eu trop peur puisque le colis stratégique, vous avez vu, qui est tombé juste à côté de moi, il m'est tombé vraiment à côté de la gueule et j'ai vraiment flippé, j'ai cru qu'il allait me tuer. Enfin bon, c'est pas grave, au passage petit marqueur, j'ai tué personne. Sinon bah écoutez, je vous invite à aller voir ma chaîne puisque c'est la fin de la vidéo, je vous invite à aller voir ma chaîne, à aller me dire ce que vous en pensez, à aimer ou dislike. Tel un sadomaso, je vous invite à faire ça. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, comment je pourrais m'améliorer, ou alors tout simplement allez vous abonner à ma chaîne et c'est la fête les amis. Donc voilà, on termine sur du 70 à 2, un ratio de 35 pour 15 assistances. Les bâtards. Donc voilà, salut tout le monde, c'était Minatoux et à la prochaine.